Bonjour, 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 mes amis. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la dose d'humeur? Bon, je vous raconte aujourd'hui des anecdotes, mais premièrement, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec moi. Bon, comme tout le monde, j'y vais au travail. Et je suis en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a du bouchon des merdes, des bouchons parisiens. Vous connaissez bien des bouchons parisiens quand même. Baf, on roule pas. Et alors, je suis là, dans le bouchon, et ça bouge pas. Et d'un coup, c'est débouché. Et moi, j'appuie sur la voiture et je roule. Et là, c'était 110, mais bien évidemment, je suis en retard et je roule avec 130, 140, c'est normal. Du coup, il avait deux voies. Et là, à gauche, bien évidemment, je roule à gauche avec 130, 140. Et un mec, il roule avec 110. Et il se dégage pas, quoi. Bon, je l'appuie. Et là, au bout de 2 minutes, il s'est dégagé finalement à droite. Et moi, je le double, et c'est normal, je lui dis merci, je lève la main, merci mec, et je suis continué. Et là, le mec, il appuie derrière moi, mais il voulait rouler avec 160, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe avec ce mec-là? Il est taré ou quoi? Bon, je me suis dit, je me mets à droite, je laisse partir le mec. Peut-être sa situation est pire que la mienne, quoi. Peut-être il est en retard, le pauvre, il a du tout sur la route. Et là, le mec, il met son truc sur la voiture. Oui, 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 oui. Putain, c'est un policier! Oh mon Dieu! Et là, c'était la douche froide. Et le mec, il me double. Et moi, douche froide, stressée, je lève la main et je lui dis « désolé ». Et le mec, il me regarde bizarrement et je me suis dit « là, il faut que je paye ». Et j'assume, hein, j'ai roulé vite, il faut que je paye. Mais la chance, peut-être le monsieur, il était en retard ou je sais pas quoi, ou il me trouve sympa ou je sais pas quoi, mais il est parti. Oh, la chance! Ah. Bon, je me suis calmée et je me suis dit, bon, tu roules avec 110 et même si t'es en retard, c'est pas grave. Même si t'es viré, c'est pas grave. Mais hier, j'ai pas eu tellement chance qu'aujourd'hui. Hein. Bon, hier, je sors de chez moi et je tape dans les bouchons. Bouchon du merde, bouchon parisien. Et là, au bout de 30 minutes, je sors des bouchons, et c'est 90. Et je me suis dit, ça roule, allez, on y va. Je suis déjà 15 minutes en retard, mais c'est pas grave. Et j'appuie la voiture, et là, flash! Un radar derrière moi qui n'était pas... pas tellement sympa comme le policier aujourd'hui, hein. Oh putain! Et là, j'attends une PV ou je sais pas quoi, mais c'est pas grand chose, hein. C'est 10 km en heure du plus. Et moi, je pense que je travaille pour payer les radars en France. Ah, c'est tellement triste. Tu roules pas, t'es dans les bouchons, t'es... Et là, quand tu peux rouler? C'est les radars qui te flashent. Ah, c'est n'importe quoi, des amis. Bon, c'est pas grave. On remonte la morale avec quelques blagues du croquis. Je vous raconte une blague pour deux blanches qui montent à Paris. Ils prennent le bus et au bout de quelques minutes, le bus s'arrête et le chauffeur dit « Gabriel Perry ». Quelques passagères descendent et le bus repart. Encore quelques minutes et le bus s'arrête. Le chauffeur dit « Sirène du Gaulle ». Quelques passagères descendent
et le bus le part. Encore quelques minutes et le bus s'arrête. Le chauffeur dit « Alma morceau !» Visiblement inquiet, des blondes dit à sa compagnon « Tu sais, on devrait peut-être aller dire à nos deux noms au conducteur. Il ne nous connaît pas, on ne va pas pouvoir descendre. » Trois femmes passent au détecteur du mensonge. La première rousse dit « Moi, je pense que je suis la plus belle. » Et le détecteur dut se mettre immédiatement à biper. La deuxième, brune, dit « Moi, je pense que je suis la plus intelligente. » Et le détecteur se met à nouveau à hurler. La dernière, blonde, dit « Moi, je pense. » Et le détecteur l'arrête immédiatement. Deux blondes essaient d'ouvrir la portière de leur voiture où la serrure est bloquée. La première dit à l'autre « Je n'arrive pas à débloquer la porte. » Et la deuxième « Tu devrais te dépêcher car il commence à pleuvoir et la capote est ouverte. » Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui mes amis. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste en haut en cliquant sur le lien. Je vous remercie beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.